Elle est comme neuve, madame de Marny. Léopoldine. Oui. Vous allez porter ça dans la voiture de madame. Oui, monsieur Jean. Bon. Cette petite est charmante. Et votre frère? Jacques est toujours au sanatorium, madame de Marny. Mais son état semble s'améliorer. Les médecins promettent de nous le rendre avant Noël. La tuberculose, si jeune. Pauvre enfant. Bien, au revoir. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Je vais ranger la camionnette. Je vous retrouve en haut. C'est pour ton frère. Tu n'oublieras pas? J'oublie jamais, maman. Arrête de te tourmenter. Hein. Bon, j'ai une dernière livraison à faire. Je serai là pour dîner. Je le remets là. Si ton père le trouve, tu te souviendras? Oui. Bon, allez, monte maintenant. Moi, je fermerai. Ils ont tous tué. Regarde-moi. T'as quand même meilleure mine comme ça. T'as pas froid? Tu crains rien ici? Raconte-moi ce qui s'est passé, ça. Je suis arrivée la semaine dernière. Avec mes parents et ma petite sœur. Ça faisait 2 ans qu'on se cachait chez nous en Alsace. Mon père a tout perdu. Ses salauds lui ont tout pris, son usine, la maison. Puis le mois dernier, il est revenu. Disant qu'il avait trouvé un passeur. Un de ses anciens contremaîtres. Alors elle lui a donné tout ce qui lui restait et on a réussi à venir à Paris. C'est ce soir qu'on aurait dû partir vers la Normandie puis l'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Jean? Pourquoi? Ça suffisait pas qu'on lui donne tout ce qu'on avait. J'ai compris qu'il se passait quelque chose quand j'ai entendu les pas. D'habitude, le passeur descendait toujours tout seul. Là, ils étaient au moins 5 ou 6. Ils les ont tués, Jean. Tous. Mes parents, ma soeur. J'avais qu'une adresse ici, c'était la tienne. Allez, viens. N'aie pas peur. On va chez un ami. Sans sécurité. C'est un type formidable. Il s'appelle Philippe. Demain, 6h, même endroit. Bah alors, tu m'entendais pas? Qu'est-ce que tu faisais? Je m'étais endormi. C'est Sarah. Bon, tu nous fais rentrer, on reste sur le palier. Prends. Mais tu te rends pas compte des risques que tu prends? T'es sûr que la concierge vous a pas vu? Non. On peut faire confiance à personne, j'y repense maman. Et à moi, tu me fais confiance? Oh, ça va. Écoute, Sarah est une amie d'enfance. Elle est juive et sa famille vient de se faire massacrer. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tous les jours, je vois passer le linge de la commandanture, la blanchisserie. Hein? Tu crois que j'en suis fier? Pour une fois que je peux faire quelque chose d'utile. Mais ces choses-là, ça s'improvise pas, tu comprends ça? Ouais, parce que toi, tu connais le mode d'emploi pour cacher les juifs. À ta journée, c'est d'aller à l'imprimerie, travailler à l'imprimerie et revenir de l'imprimerie. Hein, si tu veux pas aider Sarah, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Tu vas rester cette nuit ici, d'accord? Vous l'avez mise où?
pas pouvoir rester. Mes parents m'attendent pour dîner. Philippe va prendre soin de toi. Faut que tu manges et que tu dormes. Tu me promets. Non, je reviens demain. Vous avez l'air de bien connaître, Jean. On s'est connus en vacances à la Baule. Quand on était encore enfants. On se retrouvait tous les ans. C'est même le premier garçon qui m'embrassait. Vous étiez amoureuse de lui? Je crois que je le suis toujours. Mon cher Jean, les jours qui nous séparent des prochaines vacances en Bretagne me paraissent une éternité. Papa dit que je suis insupportable. Sais-tu ce que je fais chaque matin? Je coche sur mon calendrier cette nouvelle longue journée qui arrive et je pense déjà à celle que je cocherai le lendemain matin. Maman pense que mon état vient du fait que je deviens une femme. Moi, je rêve toutes les nuits que je deviens la tienne. Suivez. Tout à l'heure. Bonjour, monsieur Jean. Bonjour. Bonjour, madame Lavandier. Bonjour. Un sanatorium, et tu vois. Non, mais il en a pas marre, le vieux, de raconter toujours les mêmes conneries, hein. Je suis sûr qu'un jour, il va finir par y croire. Des gâteaux secs, du savon, c'est tout. T'arrêtes. Maman fait ce qu'elle a pu. Bon, faut que je sorte. Dis-leur de m'aider à sortir, moi, j'en veux plus. T'as plus que 2 mois à tenir. 2 mois. Je te s'achète, putain, c'est le bordel partout. S'il veut me trouver un nouvel avocat, vous pouvez me tirer d'ici. J'ai essayé, Jacques, il veut pas. Il dit que tu dois payer. J'ai tué personne, merde. Eh oh, Lavandier, tu calmes. J'ai trafiqué, tout le monde trafique. Bon, alors, raconte-moi. Tu t'entraînes toujours à la savate? C'est pas pareil sans toi. Et la blanchisserie, y a des nouvelles? Elles sont jolies? C'est pas mon genre. Ah, bah alors ça doit être le mien. Moi, j'ai jamais eu peur de déplaire aux vieux en m'envoyant les employés. Tu peux rester seul cet après-midi? On va chercher du beurre et des œufs. Faut que tu reprennes des forces. Pourquoi faire? Ça fait 3 jours que tu refuses de manger. Je vais pas te laisser mourir. Mais si moi j'ai envie de partir? Je refuse. J'ai plus personne. Si, t'as moi. Moi je suis là pour toi. Fais-le pour moi, Sarah. Fais-le parce que je t'aime. Tu me le jures? Je te le jure. Jean, tu viens? J'arrive. Merde! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai crevé. C'est bon, les œufs sont pas cassés. On va continuer à pied, hein. J'ai plus de rustine. Ah!
Pourquoi t'as dit à Sarah que tu l'aimais? Je t'ai entendu. Parce que c'est vrai. Je l'aime pas comme je t'aime toi. Mais j'ai jamais ressenti ça pour une femme. Elle a besoin de nous. Moi aussi j'ai besoin de toi. Sans nous, elle pourra jamais s'en sortir. Promets-moi qu'on la laissera jamais tomber. Hein? Tu promets? Vous allez les tuer aussi? Pourquoi? Écoutez, mon petit, vous énervez pas, je vais vous expliquer. Taisez-vous! Il nous a vendus tous! Foutez le camp, partez! Je n'ai rien contre les Juifs, je les aide. Et puis, je voulais aussi aider votre papa. J'ai travaillé pour lui autrefois. Tais-toi! Tais-toi! Je peux pas! Vous êtes un... Vous êtes un monstre, je peux pas vous tuer! Regarde, t'as même pas de volonté. Salope! Salope! Ah! C'est pas vrai, elle fait quoi? Le couvre-feu va commencer. Mais dans sa situation, on sort pas sans papier, merde quoi! T'étais où? Tu te rends compte que tu nous mets tous en danger? Pourquoi j'ai pas pu le tuer? Qu'est-ce qui s'est passé, Sarah? Qu'est-ce qui s'est passé? Arrête! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai envie de passer, j'ai pas pu le tuer. Même pour eux, j'ai pas pu. Pourquoi je suis lâche? Pourquoi je suis lâche? T'es pas lâche. C'est passé. On se réveille, petite fleur. Je veux que tu manges aujourd'hui. Philippe est sorti acheter du pain. Il a eu des tickets. Il doit rester du beurre. Je vais te faire des tartines. D'accord? D'accord. Voilà, petit déjeuner. J'ai un cadeau pour toi. Moi? Oui, pour toi. Une nouvelle carte d'identité. Enfin, presque, c'est du papier officiel. Tu es né en Alsace à Eisweiler. Le registre de l'état civil a brûlé avec la mairie en 1940. À partir de maintenant, tu t'appelles Yvonne Brunner. Ta nouvelle vie commence aujourd'hui. Tu les as où, ces papiers? Bon, vous en saurez tous les deux, mieux ça vaudra. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, Yvonne. Celui-ci, c'est pas la peine de le ranger. Il appartient à Madame Cohen, qui est pas venue depuis 3 mois. Il m'irait bien, moi, ce corsage. Madame Cohen, on la reverra pas de sitôt.
Elle a dû déguerpir comme les autres. C'est du vol. Yvonne a raison. Quand bien même Madame Cohen reviendrait dans 10 ans, son cortège l'attendrait là. Tiens-toi à l'écart de cette Yvonne Brunner que tu m'as fait embaucher. Je ne tolérerai pas que le fils du patron ait une liaison avec une employée. C'est juste une connaissance. Et comme elle parle allemand... Oh. Ne me déçois pas comme ton frère, Jean. C'est à toi que j'ai décidé de léguer les établissements Lavandier. Et en tant que futur patron, tu te dois de donner l'exemple. Tu aurais pu m'en parler, Armand. Et Jacques? Tu as pensé à Jacques? Je sais que tu m'es pas, toi. Cacher Sarah Morkenstern au nez et à la barre du vieux, t'as du cran, tu sais. J'ai juste pensé que chez nous, elle sera vraiment en sécurité. Les parents l'ont croisée qu'une seule fois à la boule, en 36. Ils l'ont même pas reconnue. Et si le vieux savait que tu caches une vieille chez lui, vu qu'il jure que par le maréchal? Tu dis rien, hein? Elle est encore amoureuse de toi? Je serai là dans 2 jours à ta sortie. D'ici là, tiens-toi à carreau. Hein? Pour moi, ce n'est pas le retour du fils prodigue. Mais celui de la brebis galeuse. Dorénavant, tu seras traité en employé comme les autres. Et tu devras obéir à ton patron, c'est-à-dire moi, ton père. Et plus tard, quand je serai retiré des affaires, tu obéiras à Jean, ton frère, à qui j'ai décidé de tout léguer. Tiens, les livraisons d'aujourd'hui, tu en es responsable à présent. Ton frère, lui, restera ici avec moi. Allez. Présente Yvonne Brunner. À l'aide de ma maman au comptoir. Yvonne comment? Yvonne Brunner, monsieur. Eh, enchanté, moi, c'est Jacques. Je suis le cadet de la famille, je sors le sanatorium. Donné quoi à manger en prison? M'ont rien donné, c'est la haine qui m'a nourri. Aïe. Ah, merde. Aide-moi à me relever. C'est qu'un jour, je vais te mettre une peignée à toi. Hein. Ah, j'aimerais bien voir ça, ouais. Ça a quand même manqué nos petits combats fraternels. Hein? Et tu m'as escarté, hein? C'est à moi, ça. Ouais. Remarque, les femmes adorent, hein? J'ai encore dû inventer un bobard à papa ce matin. Qu'est-ce que tu fous en ce moment, notre chien, hein? Tu disparais, tu réapparais. J'espère que tu recommences pas tes conneries, hein? Oui, écoute, arrête avec tes leçons de morale, là. C'est un genre de blanchisseur, prier pour moi, protégez-moi. Mais c'est facile pour toi, le vieux, il t'a donné le beau rôle. L'aîné, le fils parfait, le digne héritier. Mais tu vois, moi aussi je respecte le rôle qu'il m'a donné. Mouton noir. Et tu me diras, j'ai des facilités. Je m'en fous de ce que me dit papa. Ah ouais? Et même quand il te promet de te léguer tous les établissements d'Avandier? T'en as tellement rien à foutre que t'as oublié de m'en parler. De toute façon, je partagerai tout avec toi. Non mais j'en ai rien à foutre de ta pitié. T'as jamais eu à te battre, jamais. Alors maintenant, tu me fous la paix. Tu vas pas me croire, mais j'étais presque venu en toile. Ma famille, c'est l'horreur.
Mais mon frère me surveille maintenant. T'es là pour chialer ou pour bosser? T'as combien d'adresses à me donner? Bon, j'ai dénoncé personne. J'ai fait un an de tôle sans broncher pour les petites affaires. Alors j'attends un minimum de reconnaissance de tous mes associés, d'accord? Combien? 30% sur tout ce qu'on fourgue. Et un premier droit de regard sur les antiquités et les œuvres d'art. C'est trop gourmand. T'imagines pas le nombre de gens qu'il faut rincer dans les commissariats de quartier, les concierges pour qu'elles ferment les yeux. Et les boches. Les dégoinfres. 15%. Tu choisis les meubles, mais pas les tableaux. Bon, tu notes. Tu as une Marnie. On les a pas vus depuis 4 mois. Oui, tu es au Sédentin, 3e étage gauche. Maître Strauss, 18 rue de la Boétie, on les a pas vus depuis 15 jours. J'ai été livré chez eux plusieurs fois, ils avaient des toiles de maître. Moscovitz, 32 rue Faubourg Poissonnière. C'est un fourreur en gros, on l'a pas vu plus vite le diff. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je bouge, Hé, mais attendez-moi. Le premier qui arrive à la porte de Saint-Cloud décide du programme de la soirée, d'accord? Si je gagne, on va chez Graff. Non, pas question qu'on aille là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait d'Yvonne? Je savais pas qu'on était en couple avec elle. C'est ridicule. T'es jaloux maintenant? Jaloux, moi? Non. Juste un peu possessif. Mais c'est parce que je t'aime. Non mais attendez-moi! Tu vois? Excusez, on a quand même laissé en rade sur 10 km. Bah alors fais vite, hein. Je te rappelle que j'ai gagné la course et on va chez Graff dans une heure. Dire que depuis qu'on n'a plus de concurrence sur le marché, notre bal des folles, c'est un peu devenu la zone libre des PDU. Bon, je vais voir la baronne. Hein. Il est sinistre, celui-là, sinistre. Je l'ai choqué. Tu regardes, c'est pas arrivé depuis 5 minutes que le plus beau type de la soirée t'a déjà repéré. Non, il est beau, mais je te le laisse. Ah non, il s'intéresse plus à moi. Toi, danse avec lui. C'est Van Berg, un gradé très influent. Puisque tu es mon ami, tu peux faire ça pour moi, n'est-ce pas? N'oublie pas que c'est grâce à des types comme lui que chez Graff est encore ouvert. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Il va falloir vous débrouiller sans moi. Je ne peux plus sortir d'imprimé officiel de la préfecture. Et c'est toi le préfet, André, non? Plus pour longtemps. J'ai de plus en plus de mal à cacher ma désobéissance au gouvernement de Vichy. Mais tu peux pas nous lâcher. Je suis dans le collimateur de mes supérieurs comme de mes subalternes. Crois-moi. Je serai bientôt plus utile dans la clandestinité. Autre chose, ne mets plus les pieds ici, c'est trop risqué. Tu n'as rien remarqué en arrivant? Quelques nouvelles têtes? Des nouvelles têtes. Je les connais, moi. Là-bas, avec la casquette de mauvais garçon, tu as Durieux. Il bosse à la Mondaine. À côté de lui, Rembrun. La Mondaine aussi. Sur le fauteuil, avec un costume gris. Un flic de leur équipe. Viens regarder une note sur un calepin. Dis à ta blanchisseuse de se contenter de laver les draps allemands. Allez, cours sauver ton imprudent. Tu vois, je ne suis pas rancunier. Tu m'as quitté pour lui et j'ai la bonté d'âme de le protéger. C'est une preuve d'amour, ça, non? Hein? Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal et merle moqueur, seront tous en fer.
Les belles auront. T'es complètement malade. Tu cherches quoi? Un aller simple pour les camps? Si tu veux t'amuser, fais-le. Mais pas devant moi et pas avec un mal. Arrête. Une dizaine de flics de la monde est ici ce soir. Tu es dans leur fichier, c'est ça? Arrête de parler comme un gosse. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur fichier? Les ouvriers, bien en grand, l'occupant. Comme pour les juifs. J'aurais préféré danser avec toi qu'avec ce boche. Mais t'étais pas là. T'étais avec monsieur le préfet. Hein? Je pensais qu'on faisait pas de couple à trois. Arrête, t'es pathétique. Pathétique? Oui, pathétique, ouais. Ah, j'en ai marre, je rentre. Yvonne va s'ennuyer, elle. Mais allez, va la retrouver, va te faire consoler. Et baisse-la, ton grenier. T'as toute la nuit, je suis pas prêt de rentrer, là. Vous en serez autant des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde le cœur. Tu te souviens de notre première cigarette? Tu penses? Je crois voir encore tes parents ratisser la plage de long en large, en hurlant qu'on avait dû te kidnapper. Et nous, on ricanait comme des tordus cachés derrière les dunes. Je me souviens aussi que c'était une maïs. Qu'elle était tellement forte qu'on était devenus livides, presque verts. Tu te souviens? Et tu vois, je me serais jamais dit qu'un jour ça deviendrait un plaisir, ni même un bon souvenir. Excuse-moi. C'est à cause de moi? Non, tu es pour rien. C'est Philippe que j'aime. Oui, mais ce soir, si t'es revenu, c'est pour moi. C'est ton amour qui me trouble. Ta façon de me regarder, de me parler. Je serai jamais totalement à toi. Je te demande pas ça. T'es totalement moi, ça m'est égal. Là, aujourd'hui, ça t'est égal. Là, maintenant. Mais tout à l'heure, quand Philippe rentrera, je me glisserai dans son lit. Tu le supporteras. Non. C'est normal. C'est pas grave. Bien sûr que si, c'est grave. Non. Vas-y, celui que j'aime depuis toujours est avec moi. Enfin, avec d'autres aussi, mais avec moi. Malheureuse. Je t'aime trop pour t'infliger ça. T'es belle, t'es désirable. T'es la seule femme dont je pourrais avoir envie. La seule que je pourrais aimer. Mais je vais te cacher. C'est Philippe. Il ne se passera jamais rien. Comme toi. J'ai tellement peur de toi. Je t'aime. Je t'aime. Maintenant, écoute-moi bien. La baronne m'a vraiment mis en garde. Faut plus prendre de risques. L'argent a fait de nous des criminels. Pourquoi? On n'a rien fait de mal? Non. Je sais.
C'est qui le type qui vient de sortir? Et alors, ça fait quoi d'être jaloux? Je suis pas jaloux, je suis inquiet. Puis arrête de me prendre pour un idiot. Je sais très bien que c'est toi qui as fait les papiers d'Yvonne. Vous avez fait où? À l'imprimerie? Ça te regarde pas, mon chéri. Bah si, justement. Pas besoin d'avoir un ancien Jules Préfet pour savoir qu'ils ont ouvert la chasse aux résistants. Alors arrête de confondre courage et inconscience. Ne serait-ce parce que Yvonne habite ici. T'es d'accord avec moi, non? Non. Attends, mais t'es aussi inconsciente que lui? Écoute, même si pour tout le monde je suis l'agent Yvonne, je suis toujours Sarah. Je hais les nazis et si je peux aider à les détruire comme ils ont détruit ma famille, je dois le faire. C'est bientôt un mois que j'aide Philippe. T'inquiète pas, va. Je fais courir des risques qui ne la personne. Et puis en me cachant, en me protégeant, toi aussi t'as résisté. C'est comme ça, voilà, cette guerre on n'en voulait pas et c'est devenu la nôtre. Alors arrête. De toute façon, vous en ferez qu'à votre tête alors. Ça où on met la clé sous la porte. Et vous, vous n'avez rien à faire? Madame Benaïm! Madame Benaïm! Attendez. Votre linge est prêt. Jean! Jamais ça, tu m'entends? Jamais. Madame, monsieur. Joanne, mets-toi pas. Au revoir. Genre 10 adresses aujourd'hui, mais les affaires sont florissantes ces temps-ci, hein. Et pour le petit extra que je t'ai demandé, t'as pas oublié? Je n'ai qu'une parole. Et tu sais que ça m'a coûté les yeux de la tête, hein, ta petite gâterie. 5 kilos de bourguignon, puis du bon, direct de Nevers, via mon beau-frère. Mais t'es trop gras, de toute façon. Et puis fais gaffe, parce que par les temps qui courent, c'est suspect. Attends! Tu vas pas rentrer comme ça sous ce déluge, quand même? Non, mais ça va. Bon, Jean est avec le vieux à la mairie, on manque de lessive, alors ce soir, c'est moi qui te raccompagne. C'est gentil, c'est pas la peine. Bon, tu veux pas me vexer, quand même? On est amis tous les deux, non? Viens, alors. Merci de m'avoir accompagné. Je vais monter me changer. Attends. Tiens, c'est pour toi. Parfum de luxe en pleine pénurie. Depuis quand les femmes ont l'élégance de demander d'où viennent les cadeaux qu'on leur offre? Excuse-moi, c'est que j'ai plus l'habitude d'en recevoir, tu vois, j'en oublie même de dire merci. Bah invite-toi à monter pour te faire pardonner. Ah non, j'habite pas seule. C'est mon cousin qui m'héberge. Bah c'est très bien, moi j'aimerais bien le rencontrer, ton cousin. Allez Sarah, si tu savais le nombre de fois que j'ai rêvé d'être invité chez une femme comme toi en prison, j'en ai rêvé des milliers de fois. En plus je suis trempée, tu voudrais pas que j'attrape la mort quand même. Allez Sarah. Écoute, je m'appelle Yvonne, d'accord? Yvonne. Mais pardon, Yvonne. Bonsoir. Bonsoir. Philippe, bah, je te présente Jacques Lavandier, le fils cadet de mes patrons. Bonsoir. Philippe Leroux, mon cousin. Enchanté. Ben, on peut peut-être monter pour faire mes connaissances. Bonne idée, ouais. Il me reste un fond de gnôle, ça vous va? Ouais, c'est très bien, merci. Moi, je vais me changer. J'ai cherché des verres. Vous avez une bien jolie cousine, monsieur Leroux. Philippe, pour mes amis.
Expliquez-moi quelque chose. Comment une jeune Alsacienne issue d'un milieu de riche industriel peut être la cousine d'un ouvrier? Ouvrier en imprimerie, pour être précis. Ah, les histoires de famille sont truffées de non-dits et de secrets. La vôtre n'échappe à la règle, non? Alors, je suis ouvrier, certes, mais Yvonne est bien lingère. C'est la guerre pour tout le monde, hein. Il y en a qui s'en mettent plein les poches et d'autres qui perdent tout. Ça, le temps pour les honnêtes gens, n'est-ce pas? Tiens, vous êtes client chez nous? Oui. Yvonne a insisté. Elle pense qu'on peut être ouvrier et avoir du linge propre. Ah! Elle est belle, hein? Elle m'irait bien mieux que Madame Lévy Rosenthal. On dirait une grosse poule boudinée avec. Bon, remarquez, on l'a pas vue depuis au moins 6 mois, la grosse. Bien, ben, t'as qu'à la prendre, tu la rendras lundi matin. De toute façon, ça m'étonnerait que la mère Lévy Rosenthal revienne la chercher. Oh, merci, monsieur Jacques. Bon, ben, j'y vais, hein? Bon dimanche! À lundi! Ouais. Malade ou quoi? Attends, mais c'est toi qui dis ça? T'es une fiotte, hein? T'es une tante, t'es un inverti, c'est moi qui suis malade? Tu me dégoûtes! Et tu sais pourquoi? C'est pas parce que t'es une tante, non. C'est parce que t'es un menteur, un sale petit menteur minable et lâche qui se fait passer pour le fils parfait! Je t'aimais, moi. T'étais tout pour moi, je t'admirais. Et aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus aucun sens. Moi, je suis toujours ton frère. Je t'en prie.
pouvais pas t'en parler. Je pouvais pas. Pendant des années, j'ai cru que j'étais un monstre. J'avais 12 ans la première fois que j'ai essayé d'en parler. C'était à l'abbé Kartmadec, à la boule. Il m'a dit que je devrais mourir de honte plutôt que d'avouer mes tendances perverses. Il m'a montré des images pour que j'avoue des péchés que je n'avais même pas imaginés. On voyait deux démons l'un sur l'autre en train de... Écoute, tais-toi parce que j'ai même pas envie de savoir. Je me suis détesté pendant des années, Jacques. Je me haïssais, je me dégoûtais. Je me faisais honte. Alors j'ai essayé de changer. D'aller vers les femmes. C'est pas moi, tu comprends? Puis j'ai rencontré un garçon. Puis là, j'ai compris qu'il y avait rien de mal. C'était comme ça, que j'y pouvais rien. Que t'y pouvais rien? Mais on a toujours le choix. Le choix? Parce que t'as choisi d'avoir les yeux bleus, toi? Hein? Bah, tu vois, moi, c'est pareil. J'ai pas choisi d'aimer les hommes. Et Philippe Leroux, toi et lui, ça dure depuis combien de temps? 4 ans. Putain. Je reviens pas. J'ai rien vu, j'ai rien compris. T'as bien dû te foutre de ma gueule quand je te parlais d'études et d'ingénieur. Non. Moi, tu me pardonnes. Dis-moi, je t'en prie. Je crois que c'est facile de mentir à son frère. À celui que j'aime plus que moi-même. À la vie et à la mort, pour moi, ça tient toujours. Moi, il croyait que t'avais pris ton pied au bordel quand on s'était fait dépuceler. T'avais l'air tellement content de toi. Tu sais que tu joues vachement bien à la comédie, toi. Ouais. Yvonne, elle le sait? Bien sûr, elle a vu de chez Philippe. Ah, mais ça l'empêche pas d'être amoureuse de toi. Hein. Elle te regarde avec de ses yeux. Bon, agent. Bon anniversaire, frangin. Agent. Bon, et c'est pas tout, j'ai encore une petite surprise. T'exagères, Jacques. Hein. Oh non. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche, ding-ding-dong. Quand notre cœur fait boum. Tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante l'eau. Qu'est-ce qu'il a trouvé tout ça? Qui ça? Qui ton frère? Le champagne, la viande, les cigares, je te parle même pas des disques. Bah, au marché noir, je suppose. Et on fait trop comme d'habitude. Mais c'est pour moi. C'est sa manière de me prouver qu'il m'aime. Bah si tu le dis. T'arrêtes. L'astre du jour fait boum. Avec lui, il est boum. Arrête, ça va pas, qu'est-ce qu'il prend? Mais boum, boum. Il dit quoi? Mais arrête! La bicheuse à boire. Tu me rends dingue, tu sais ça? Je deviens fou quand je te vois là avec Jean. Tes petits sourires, là, tes petits regards, je pourrais vous crever tous les deux quand je vous vois. Arrête, Jack! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est elle là, qui joue sa mijaurée avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je meuf des parfums, je la traite comme une reine. Pourquoi tu me rejettes, hein? T'as peur des hommes, c'est ça? Des vrais hommes, tu préfères les pénètre? Mais t'arrêtes là! Hein? T'en es trop, tu te dégages! Et le bon Dieu. Tire, on est de la connerie! Car moi, l'amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et si c'est boum, tu te mets en colère, quand te vois avec lui, les merveilles. Boum, l'amour dans le On va pas finir cette soirée comme ça. Viens, on va danser. Je crois que c'est foutu. Non, je veux danser. Yvonne a raison, on va danser avec lui. Allez, viens. Je veux qu'on oublie la guerre, qu'on oublie ton frère et qu'on fasse la fête. Moi, je vous regarderai. Enfin, si je m'endors pas. Je crois que ça s'arrête jamais. Je peux aimer personne d'autre que toi. Dis pas de bêtises. Seulement tu voulais.
je pourrais être à toi. Je te donnerai des enfants. Quoi? Qui d'autre t'en donnera? Philippe. Moi, je peux faire ça pour toi. Je te ferai un fils. Chut. Je me fâche pas parce que t'es saoul, ma Sarah. T'as l'alcool triste. Mon vieux, t'as intérêt à avoir une bonne raison de m'avoir tiré du lit. Hein. J'ai besoin que tu me rendes un service. Mon Dieu, un service? Mais tu me fais lever pour quoi cette fois-ci? Je sais pas, un parfum pour une pépée, une robe, tant qu'on y est. J'ai besoin que tu fasses coffrer mon frère. Et pourquoi je ferais ça? Parce que je te le demande. J'ai fait un an de tôle sans broncher, alors ça mérite bien un service, non? Ben, je suis pas contre, hein. Je voulais juste savoir la raison. J'adore les histoires de famille pourrie. Pourrie avec des secrets. Et pour quel motif je le fais tomber, ton frangin? T'auras qu'à dire qu'on t'a tuoté. Qu'il est soupçonné d'acte résistant. De façon contraire, ce sera pas difficile à prouver. Tu le feras sortir le lendemain. Et quand tu le relâcheras, tu le ramèneras à la blanchisserie et tu manqueras pas de dire qu'il a de la chance d'avoir un frère avec des relations. Touchant. Le fruit pourri qui veut devenir un héros. C'est au moins de la tragédie antique. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça va te coûter un paquet d'adresses. Parce que moi, la littérature, c'est ma femme qui la lit. Là, il est chez un ami. Mais il va sûrement repasser à la maison avant la levée du couvre-feu. Il passe toujours devant la fac des cartes. Bon. Et on est bien d'accord, tu le relâches grâce à mon intervention et tu l'abîmes pas, surtout. T'inquiète pas, le temps de passer un coup de fil. Prudence, encore le couvre-feu. Encore bon anniversaire. On est où là? J'ai jamais rien fait contre les Allemands. Ta gueule, on t'a rien demandé. Appelez chez moi, Lavandier, Turenne 2436. Ils vous diront que j'ai rien fait. Tu parleras quand on te le dira, d'accord? Eh, vas-y doucement, faut pas l'esquinter, on le rend soir à sa famille. Pourquoi on l'a serré alors? Je t'expliquerai, fais ce que je te dis. Tu sais que la réputation de la police française dépend de nous. Allez, les tapettes, dépêchez-vous, on n'a pas que ça à faire. Allez, avancez, allez. Alors, mes petites cailles, c'était bien les Tuileries cette nuit? Un peu frisquienne, hein? Votre client, là, c'est bien Jean Lavandier. Né le 3 octobre 1915 à Paris 3e. Oui. Il est dans le fichier des tentes. Il fricote avec un gras des boches. J'ai même un procès verbal. J'ai rien fait, merde! J'ai rien fait! Et lui, c'est qui? C'est ta petite cousine d'Autrein, peut-être? C'est lui qui voulait que mais je danse. On sait tout, tu sais.
Il y a des témoins qui vous ont vu chez Graff. Toi et lui, en train de vous ploter le cul. Tu sais que par les temps qui courent, c'est pas bien vu d'être le giton d'un officier de la Wehrmacht. Mais je suis pas son giton. J'ai jamais couché avec lui. T'es dans le fichier des PD, je te dis. T'es la honte de la Nouvelle-France. Et puisque t'aimes autant les boches, mon petit cœur, tu veux aller les voir de plus près, hein? Tant de retard, ça lui arrive jamais. Mon Dieu, pour vous qu'il y soit rien arrivé. Vu que j'en ai pas là, je peux peut-être rester à la boutique pour aider. Je pourrais faire les livraisons cet après-midi, si tu veux bien. Depuis quand tu t'intéresses à ce que je veux? Bonjour. Inspecteur Morier, Casno, police judiciaire, monsieur et madame Lavandier. Il est arrivé quelque chose à Jean? Jean Lavandier est interrogé par nos services, madame. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il doit s'agir d'une erreur. Je ne crois pas, non. Il a été fiché comme étant l'amant d'un officier allemand. Madame, monsieur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'officier Bosch? Tu devais l'arrêter et le relâcher ce soir, alors relâche-le, merde! Déconne pas avec ça, Breton. C'est toi qui parles de déconner? T'as joué avec le feu et tu t'es brûlé, Lavandier. Eh, fallait prévenir que ton frangin aimait se faire défoncer la rondelle par l'occupant. C'est eux qui vont s'occuper de lui maintenant. Bon, combien tu veux pour le tirer de là? Combien d'adresses, bordel? Bon, une centaine suffirait pas, les Bosch s'en foutent. Mais si tu fais un gros effort, je peux essayer d'en faire un, moi aussi. Un lieutenant, colonel de la Wehrmacht, Johann von Berg. Tu ne t'es rien refusé, hein? Je ne connais pas. Nos amis français se sont montrés très coopératifs. Tu l'as rencontré chez Graff le 30 août de cette année, non? Je vais pas coucher avec lui. Ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'il t'a raconté sur l'oreiller. Les archfickers, les baiseurs de cul, comme toi, ça parle toujours pendant et après l'amour, non? Ne cherche pas à protéger ce cher Johann. Nous savons tout de votre amourette obscène et contre nature. J'ai vécu une fois. J'ai vécu avec lui. Si tout est faux, pourquoi Von Berg s'est tiré une balle dans la tête? C'était un pédéraste, un traître. Tous les pédérastes sont des traîtres. Tu t'as emmené chez lui ou tu lui as proposé d'aller chez toi? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu baisais avec lui, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bon, ça suffit maintenant. Il n'y a que toi qui peux aider Jean. Tu connais des collabos, alors tu les appelles maintenant. J'ai déjà essayé, y a rien à faire. Je vais voir ce que je peux faire. Jean sera transféré demain matin, aux Tourelles, boulevard Mortier dans le 20e. On doit avoir quelqu'un là-bas, non? C'est une prison française. Ne te berce pas trop d'illusions. C'est l'administration française sous le contrôle de la police allemande. Et ton ami est accusé d'avoir entretenu une liaison avec un officier de la Wehrmacht. Mais c'est faux! Tu le sais, toi, que c'est faux! Doucement. Le problème, c'est plus de savoir si c'est vrai ou faux. Le seul qui aurait pu sauver Jean, c'est l'officier allemand. Il se tirait une balle dans la tête pour échapper au camp. Je suis désolé. Il y a 32 noms et adresses. T'en auras d'autres au fur et à mesure qu'il déguerpisse. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer mon frère. Alors, faut pas rêver, Lavandier. Bon, qu'est-ce que je dois faire pour que tu le tires de là? Bon, à la rigueur, je pourrais peut-être te proposer de baiser ta mère pour te faire un petit frère en remplacement. Mais un petit frère normal, hein. Pas une lopette comme l'autre. Écoute-moi bien, toi. Ton frère, c'est une honte pour la nation. Les PD gangrènent la race.
Alors, il était temps que la France, comme l'Allemagne, fasse un petit peu de ménage dans ses rangs. Et ta pourriture de frère, comme tous ses semblables, doit être rééduquée. Et si c'est impossible, pouf, éliminé. T'es un malade, Breton! Qu'est-ce que ça pue ici? Ah! C'est toi qui pue? Dis donc, tu dois te poser plein de questions, non? Qui t'a donné? Pourquoi? Ah ben mon cœur, la famille, c'est pas toujours ce qu'on croit. Entrez! Madame, monsieur, que puis-je faire pour vous? Mon frère est détenu ici, Jean Lavandier. Et alors? Je suis enceinte de lui de 4 mois. Je suis employée par ses parents, les établissements Lavandier, dans le 3e. Mon frère est accusé à tort d'être pédéraste, ce qui est complètement faux. Mademoiselle Brunner peut en témoigner, et moi aussi. Mon frère et moi, on a perdu notre pucelage dans le même bordel le même jour. Et il a proposé de se marier avec vous, au moins? Oui, monsieur. Nous sommes très amoureux, vous savez. Nos parents sont d'accord, j'ai ici une lettre signée de ma mère. Borgier? Allez me chercher le détenu Lavandier et priez le commandant Le Canard de me rejoindre dans mon bureau. On va tirer cette affaire au clair. Oui. Ah. Je suis désolé, mais le détenu Lavandier a été transféré ce matin à Drancy. Son départ pour l'Allemagne serait prévu en fin de journée. Ah oui, il est sur la liste. C'est un convoi de nuit. Malheureusement, je peux rien faire. Elle est à vous. Vous pouvez pas rester là. Tenez, prenez ça. Tenez. Je vais le sortir de là, moi.
Ils vont pas le tuer, ils veulent juste le rééduquer. Ils nous le rendront quand il aura changé. Je suis sûr qu'il sera là dans 3 mois. Tais-toi ! Je ne veux plus entendre parler de lui à cette table. Descendent que ceux qui sont appelés. J'ai dit ne descendent que ceux qui sont appelés. Maman ! Isaac, Cover là, Gauchepère Nelly. Gerson Carioir, Gettner Joseph, Baldwin Alexandre, Charles Paul, de la Jonquemar, Lavandier Jean, Garçon Joseph, Gettner Albert, Gerhard Bauch, Tieren zu machen! Parle français. Ils nous emmènent où, là? Dans un camp de travail. C'est quoi, ça? Ça, c'est comme l'étoile juive pour les pédés allemands. Moi, je suis alsacien, alors maintenant, j'appartiens au Reich. Et j'ai droit à mon triangle rose. Rose, comme la couleur des petites filles, pour nous humilier. Et toi, t'es d'où? Paris. Ça va, t'as de la chance. Comme t'es français, t'auras certainement droit à la barrette bleue, tu seras assimilé aux associés, aux indésirables, c'est mieux. Mieux? On va tous au même endroit, non? Oui, mais on n'est pas tous égaux. Nous, les pédés, avec notre triangle rose, on est plus bas que tout, pire que des chiens, on meurt 2 fois plus vite que les autres. Alors toi, avec ta barrette bleue, t'as de la chance. Je m'appelle Rudy. Moi, c'est Jean. Stop ! Où est-ce que vous allez comme ça ? Vous allez au papier ? Yvonne Brunner ? Alsacienne ? Oui, de Heisswiller. Mais mon fiancé et ses parents habitent ici. Je vis et je travaille avec eux. Tenez.
C'est Yvonne. Aide-moi. On va la mettre dans la chambre de Jean. Elle est brûlante. Je vais chercher un verre d'eau, ça va faire tomber la fièvre. Non. C'est Sarah. Sarah Morgenstern. Tu te souviens, ses parents avaient une villa là-bas. Là. Il faut rien dire à ton père. Elle va rester ici, le temps qu'il faudra. Officiellement, ce sera ta fiancée. Elle vit avec nous, elle travaille avec nous. Rien changé pour pas attirer l'attention. De rééducation. De l'agent Kemal. Garçon Joseph. Armorie Pierre. Baudouane Alexandre. Germain Paul. Fontaine Louis. Hesbourg Léon. Imam Aaron. Lavant Guéjean. Metzger Rudy. Rivière Frédéric. Garek Maxime. Michel Antoine. À la course! Séchez-vous vite. Cadeau de Hans. Ta parole, ton sous-officier te gâte beaucoup ce temps-ci. Non, mais laisse faire, c'est Léopoldine, c'est bien comment elle est. Ouais, je sais que c'est une collabo, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Officier Stroger, si vous voulez bien vous donner la peine de passer dans mon bureau. Alors, j'espère que vous m'avez de bonnes nouvelles au sujet des blanchisseries Steiner. Oui. La commission de l'aryanisation semble apprécier votre dossier. Bien sûr, il reste quelques détails à régler. Bien sûr. Ça n'est plus qu'une question de jour, mais les blanchisseries de Boulogne seront très vite les vôtres.
je chante soir et Yvonne, matin. C'est moi. Je chante c'est Jacques. Sur mon chemin. Tu peux entrer? Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinité de la nuit. Les elfes. Comment est-ce que tu peux? Ces types-là sont en train de tuer ton frère, toi tu traites avec eux? Tu me dégoûtes. T'es un porc. Je veux plus rester ici. Je veux plus me trouver dans la même pièce que toi. Qui t'es pour me parler comme ça? Je t'interdis de me juger, t'entends? Et si je traite avec les SS, c'est pour essayer de savoir où les gens. Je les paye pour avoir certaines faveurs et essayer de le tirer de cet enfer. Excuse-moi. Il manque tellement. Tous les jours, je pense à lui. Tous les jours, je revois ses yeux sur le quai. J'en peux plus. Moi aussi, il manque. N'approche pas. Ne touche pas, va-t'en, ça. Ça va, maintenant. T'écroule pas, hein. Sinon, il te tue. Allez, courage. Ne touche pas. N'approche pas. Fais comme eux. T'approche pas d'un triangle rose. Ne parle pas à un H-speaker. Abandonner leur perversion immonde pour devenir des hommes dignes de ce nom, prêts à servir le Reich et la grandeur de notre race. Alors tu ne veux pas guérir? Tu refuses de te rééduquer? Je suis une Archficker. J'aime les hommes. Tu veux mourir comme ton camarade? Non. Je te transfère à Dachau. Là-bas, nos médecins vont s'occuper de toi. Tu changeras, tu verras. Tiens. Non, non, plus de champagne, s'il te plaît. On n'a rien à fêter. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. On est libre et on est vivant. Alors ce serait faire offense à la vie de pas en profiter. Un con. À tout ce qui nous manque. À la vie et l'espoir. Faut qu'on soit heureux, Yvonne. Faut qu'on se batte aussi pour ça. Votre table est près de l'orchestre.
Quel plaisir de rencontrer une amie épargnée par ces temps douloureux. Vous voyez, moi, je ne vous ai pas oublié. Vous ne nous présentez pas. Hein. Bon, allons-nous-en. Si j'étais vous, je ne ferais pas ça. Pas ici. Un mot de moi, tout est fini. Dîner ici, avec une juive qui a commis de surcroît une tentative de meurtre, vous aimez prendre des risques, jeune homme. Bon, écoutez, j'ai quelques amis parmi les convives, alors évitons le scandale. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, soyez raisonnable, mon petit, ça ne va pas suffire. Je suis sûr que votre jeune ami peut mieux faire. S'il peut s'offrir un dîner dans cet endroit si délicieux, il peut s'offrir Paris. On se retrouve demain, dans le foyer de la salle Favard, à midi. Je connais un petit restaurant à côté. Eh bien, voilà. Vous voyez, mon petit, grâce au sang froid de votre ami, nous allons tous passer une soirée charmante. J'aurais dû le tuer. T'as rien à craindre, je suis là. T'inquiète pas. Une très vieille amie. On est collé à la vitrine que le travail va se faire. Enfin, moi, je dis ça. Je dis rien. Maintenant que mademoiselle est fiancée au fils des patrons, elle fait bien ce qu'elle veut. T'es blessé ? Non, j'ai rien. C'est pas mon sang, c'est le tien. Je peux pas laisser nous faire chanter, tu comprends? Tu risques plus rien maintenant. Je laisserai jamais personne te faire du mal. Jamais. Merci. Attends, pose pas de questions, tu vas voir. Viens. Malzerbe là-bas, Saint-Augustin, et viens voir. T'as le parc Monceau là-bas. Ce sont les beaux quartiers, Yvonne. Si tu veux, c'est chez toi ici. C'est chez nous. Je peux pas. Je peux plus aimer. Écoute-moi. Je te jure de tout faire pour ramener mon frère parmi nous. Mais laisse-moi t'aimer. Tu vois pas que j'en crève? Je te rendrai heureux, Sarah. Je t'aimerai pour deux. Je t'aimerai comme un homme doit aimer une femme. Je veux que tu sois à moi. Je veux être ton mari. Je suis sûr que c'est ce que j'en voudrais. D'excellentes nouvelles. La commission a validé votre candidature. Vous êtes le propriétaire en titre des blanchisseries de Boulogne, mon cher Jacques. Il nous reste une formalité.
Les virements ont été faits. Selon vos instructions, oui. Une moitié à Berne et l'autre en principauté de Monaco. Je vous cacherai pas que ça n'a pas été facile. C'est parfait. Vous êtes un homme d'affaires remarquable, mon cher. Vous avez des nouvelles concernant mon frère? Oui. Il a été transféré à Dachau. Dachau? Un camp. D'où on ne revient pas. D'après ce que j'ai pu apprendre, votre frère a refusé de se rééduquer. Ne le pleurez pas. Au contraire, remerciez le Führer d'avoir nettoyé votre famille et de l'avoir enrichi. Je voulais pas le perdre. C'est pas ma faute, il est en avance. Mais arrête. Notre fils va bien, il est hors de danger. C'est un garçon? Ouais. Je veux qu'on l'appelle Jean. On l'appellera Armand comme mon père. Non, ce sera Jean. Pour continuer à espérer. Et pour rappeler à tous ceux qui aimeraient l'oublier qu'il existe encore. Oh, mon Jeannot. Maman, laisse-le à Yvonne, il est temps qu'il aille dormir, s'il te plaît. C'est son baptême, on a tous envie de profiter de lui. Donne-le à Valentine. Valentine, vous pouvez l'emmener dans sa chambre? J'ai longtemps hésité, mais je crois que le jour est venu. Voilà, Jacques, depuis 2 ans, je n'ai eu qu'à me féliciter de toi. Tu as su faire prospérer les établissements Lavandier, malgré ces temps difficiles, et assurer l'avenir de notre famille. Je considère que tu as pleinement racheté les erreurs de ton passé. Il est temps pour ta mère et moi de nous retirer et de vous laisser la direction des affaires à toi et à Yvonne. Je suis fière de toi, mon grand. C'est tout l'effet que ça vous fait? Vous êtes aveugle? Vous n'êtes jamais posé la question de savoir comment Jacques a racheté les blanchisseries de Boulogne? Légalement, selon les lois de l'État français. Comme Pétain a dit. Et comme Pétain a dit, mais De Gaulle a débarqué avec les Alliés il y a plus d'un mois. Là, votre cher maréchal ferait mieux d'aller préparer ses valises. Ta femme est impossible. Et en plus, elle est juive, papa. Elle s'appelle Sarah Morgenstern. Yvonne, c'est un faux nom. Ton petit-fils est juif. Ne dis rien, Armand. Pas un mot. Sinon, tu ne me revois plus. Jacques Lavandier? Oui, c'est moi. T'es en état d'arrestation, mon vieux.
Jeannot va bien. Il a grandi. Tu lui manques. Et toi, je te manque? Votre femme a décidé de témoigner. Cacher puis épouser une Israélite sera portée à votre décharge. Je dirais que si t'as voulu rester en contact avec les Allemands, c'était pour sauver ton frère. Je veux que tu vois grandir ton fils. Bien, voyons ça. Outre les rachats des teintureries et d'un atelier de blanchisserie, opéré sous l'occupation par l'intermédiaire de la Gestapo, vous êtes également accusé d'avoir spolié les biens de familles juives, clientes des établissements Lavandier. Ceci en organisant des cambriolages de leurs appartements à la suite de leur départ précipité. Mais parle, Jacques, dis quelque chose, dis que c'est faux. Si je me suis rapproché de l'occupant, monsieur le président, c'était dans l'unique but de sauver mon frère. Jean Lavandier, déporté en 42. Contre des commissions, des bakchiches, j'ai su obtenir des informations. Et mes contacts devenaient de plus en plus gourmands. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, monsieur le président. J'ai pu suivre comme ça mon frère jusqu'à un camp, Dachau. Depuis, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je ne suis pas le seul à avoir essayé de racheter un déporté, monsieur le président. Beaucoup de familles ont fait la même chose. Mais tous n'ont pas traficoté pour trouver de quoi payer les nazis, monsieur Lavandier. Rassignez-vous. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Vous mentez, Lavandier. Non seulement vous avez collaboré sans vergogne durant deux longues années, mais vous avez également commis un acte ignoble. Faites entrer le témoin. Nom, prénom, qualité. Breton Geoffroy, inspecteur de police. En détention provisoire pour fait de collaboration active. Dites-moi, Breton, reconnaissez-vous l'homme dans le box? Ben oui, on était en affaire tous les deux. En octobre 42, le 3. Je m'en souviens très bien. Il m'a demandé d'arrêter son frère, Jean Lavandier. Je l'ai fait cueillir le 4 au matin. Madame Yvonne Lavandier? Oui. On m'a chargé de vous prévenir. C'est à propos de votre mari Jacques Lavandier. Il s'est pendu dans sa cellule. Je suis désolé. Ça sert à rien de rester là, madame, il n'y a pas d'autre train.
Regarde. Tu vois? Ça, c'est Jean. Valentine, occupez-vous du petit, s'il vous plaît. Allô? Yvonne, c'est la Croix-Rouge. Oui? Qu'est-ce qu'ils disent? Où est-ce qu'il est? Jean. Jean, c'est moi, c'est Sarah. Regarde-moi, Jean. Oh, c'est fini, je suis là. Madame Lavandier. Qu'est-ce qu'il a? Il est choqué, c'est ça? Madame Lavandier, ses chances de survie sont très minces. Je suis désolé. Mais il a survécu au camp, pourquoi voulez-vous qu'il meure maintenant? Nous allons le soigner, il va guérir. Il n'y a rien à faire. Il a été lobotomisé. Ils en ont pratiqué beaucoup dans les camps, surtout sur les homosexuels. Votre beau-frère a subi un certain nombre d'expériences. J'aimerais vous annoncer qu'il est en bonne santé, qu'il va récupérer, mais son état est désastreux. Il a été torturé. Ils lui ont fait des injections d'hormones. D'après la cicatrisation, je pense que la lobotomie a été l'ultime opération. Il ne lui reste que quelques semaines. Vous ne pouvez plus rien pour lui. S'il doit mourir, alors que ce soit chez lui. Un point des siens. Tu vois, rien n'a changé. Ah si, j'ai rajouté des photos de Philippe. Et ta mère le trouve très beau. Puis tu sais, elle s'en fiche de savoir qui t'aime. Parce qu'elle t'aime toi comme t'es. On va lui mettre le disque de traînée. Oui. Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais le faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune ne confie pas de loup dans le bois. Tu devrais aller te reposer. Je lui prépare un bol de soupe. Qu'est-ce qu'on t'a fait, mon fils? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Thank you.
Ça va, mamie Sarah? T'inquiète pas, mamie, on est là avec toi. Maman, attends-nous, t'es vraiment impossible. Tiens, bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Non, madame, vous devez attendre la fin de la cérémonie officielle pour entrer. Oh. Ça fait plus de 50 ans que nous attendons. C'est bon, vous pouvez les laisser passer. Monsieur le ministre, les voitures sont là. Si vous voulez bien me suivre. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser passer. Ce n'est qu'un bouquet. Je sais bien, madame, mais la crypte est réservée aux officiels. Vous pouvez m'empêcher de passer. Vous ne pourrez pas m'empêcher de me souvenir. Signore.